Xandaout.com, toujours au cœur du terre-terre. Bonjour XZ. Xandaout.com, le site toujours au cœur du terre-terre. C'est numéro 1 sur le terre-terre. Besoin de pédave, faut que je tire une taf. Je mets des rires dans mes chansons, sinon je me tire une balle. Besoin de parler, je me texte devant la daronne. Tu peux pas reprocher à un MC d'être un moulin. Eh, écoute ça, c'est Moclès, crée de connexion pour tonton Marcel sur Xandaout.com. Toi-même, tu sais, j'en mets dans la tendance. Xandaout.com, toujours au cœur du terre-terre. On est venu voir aujourd'hui un artiste, un grand artiste, il est là. Ça fait plaisir. Moclès, merci, c'est pas tonton Marcel aujourd'hui qui est venu, il a pas pu venir. C'est pas grave. Et justement, on est venu comme. Il y a bien le tampon Xandaout là. Voilà, c'est voilà, bon. Il y a le tampon, c'est original, bon, c'est au cœur bon. Du terre-terre. On est là, on représente. Si, bonjour à toi, Moclès, ça va ou quoi? Et toi, bien ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Je suis là toujours, voilà. Toujours chaud. Ouais, en fait, t'es rare, on te voit pas beaucoup justement sur les sites. Est-ce que c'est volontaire ou... Bah, c'est volontaire. Ou justement, c'est du boycott ou c'est quoi? Non. Moi, t'as vu, quand j'ai un truc, je le balance. Voilà, ça atterrit, tu vois, aujourd'hui. Qui est boycotté? T'as un clip, tu le balances sur Internet, tout le monde regarde, tu vois. Y a pas de boycott sur le net, c'est vrai que... Voilà... Je fais parler de moi aujourd'hui, j'arrive avec un nouveau projet, automatiquement, j'ai fait un travail depuis 6 mois, tu vois. Si. J'ai balancé, on s'habitue à tout. Justement, aujourd'hui, on est venu te rencontrer à la radio sur Valley FM avec DJ Tal, le frère DJ Tal. Et t'es venu présenter ton album qui est sorti justement, on rappelle aux gens, le 31 janvier. Ouais. Justement, il est dans les packs. Et il était bien annoncé, bien avant ça. Pourquoi c'est justement vrai. Il a été retardé? Est-ce qu'il y a eu des boycotts? Est-ce que ça a été dû justement par rapport au titre qui figure dessus? C'est pourquoi il y a eu justement ce retard? Les raisons, moi, on va jamais me les dire. Tu vois, les vraies raisons, on va jamais me les dire, je les saurai jamais, tu vois. Après, c'est moi, je me fais mes films et voilà, tu vois. Et maintenant, j'ai pas envie de raconter non plus des conneries. Ce que je me dis, c'est une chose. C'est que l'important, c'est que le projet, il est dans les bacs. Et que, voilà, moi, je vais de l'avant, tu vois. Le passé, c'est bon, moi, je vais pas me dire, ouais, tac, j'ai annoncé et tout, c'est relou. Non, ouais, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie, tu vois. Des fois, tu peux pas faire ce que tu veux dans certains domaines. Donc, c'est vrai, on peut dire que t'as un gros parcours non, aussi. Tout le monde connaît aussi qu'on est, des indépendants. Tout le monde le sait qu'on est indé, que c'est pas tu claques des doigts, tu vois, t'obtiens tout, tu vois. C'est vrai que même nous, à notre échelle, justement... c'est pas non plus évident. Mais Dieu merci, on arrive à faire nos trucs, tu vois. À bouger, tu vois, regarde, on fait Xandaout, on fait Valley FM dans le 9-4, tu vois, on est un peu partout, tu vois. On essaie de faire parler de nous, à continuer notre démarche, même si... Il y en a peut-être, ils boycottent, t'as vu, mais ça c'est leur problème, ils ont qu'à nous boycotter, mais ça, moi qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu vois. C'est vrai que... Moi, je suis là, j'ai un message, j'ai un CD à défendre, et puis voilà, je le défends, t'as vu, c'est comme ça que je vois le truc. Et justement, bon, on a vu, t'as fait très fort justement avec un titre que je pense que tout le monde a pu voir un peu sur toutes les plateformes multimédia, on s'habitue à tout, un titre où on peut avoir une petite participation justement dedans de Besançon. Comment on peut s'habituer à tout? On s'habitue au licenciement, au suicide au travail. On s'habitue au sans-logis, au bonus des traders. On s'habitue à la police dans les écoles qui traque les enfants sans papier. On s'habitue au racisme, à la haine, à la guerre. On s'habitue à tout. Habitué à tout, à voir les dealers passer 6 gros. À l'Europe, à l'euro, à ne plus fumer dans les bistrots. À la drogue dure, en vente libre dans mon barrio. Le crack est à la coupe d'or, que le carnaval est à Rio. Habitué à l'abus, aux arrestations en série. Habitué à se faire serrer, un peu comme Samina série. Est-ce que ça n'a pas été dur justement d'avoir Besançon sur ce titre? Et comment t'as fait justement toi pour le convaincre et de l'amener sur un album rap comme ça? Franchement, c'était pas dur du tout, tu vois. C'est vrai qu'au début, quand moi je me suis dit, ouais tiens, je vais mettre Olivier Besançon dans ma chanson, je me suis dit, ouais, ça allait être dur et peut-être que ça allait même pas l'intéresser, tu vois. Après, la connexion, elle s'est fait super rapide. En 24 heures, entre le moment où j'ai pensé à lui et le moment où j'ai reçu un texto d'Olivier Besançon, ben vas-y, il s'est écoulé 24 heures, tu vois. Ça fait que je connaissais un mec, il connaissait un mec. Qui le en connaissait. En fait, il a accroché directement, en fait. Ouais, il m'a envoyé un texto, il m'a dit, ouais, salut, c'est Olivier Besançon, j'ai vu que tu cherchais à me contacter, voici mon numéro. Ça fait plaisir de voir, justement, des gens soutenir, justement, comme ça. Mais ouais, direct, j'ai vu ça, je fais, putain, et tout, c'est rapide, c'est charmé. C'est vrai qu'on sait que t'as un gros parcours aussi, tu fais partie d'un gros groupe, justement, parisien, la Secret Connexion, que tout le monde connaît, justement, Haroun, Mourad, Koma. Et Fab aussi, sans oublier Fab justement qui a arrêté en 2000. Et toi, t'as vu aussi justement avec un très bon album aussi, Coup de Maître,
justement. C'était un maxi en fait, je l'avais sorti voilà, comme vinyle. En 2005 ou 2006. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait justement de 2006 jusqu'à maintenant? Ça fait 5 ans en fait, il y a 5 ans qui s'est passé justement. D'accord. Avant cet album. Qu'est-ce qui s'est passé justement bah, entre temps? Entre temps, j'ai fait la compil Secret Selection 3, tu vois, où j'ai mis justement coup de maître, je l'ai mis en CD. Sorti en 2006 aussi. La chanson coup de maître avec. 2008, je crois. En 2006. Ouais, 2006, ouais. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait Ni vu ni connu. 36 titres. C'était un double album avec la Secret Connection, on a fait ça. Et j'ai fait entre temps plein de compiles, Écoute la rue Marianne, j'ai fait la compilation de Mesrine, j'ai fait plein de featuring à droite à gauche, j'ai fait des ateliers d'écriture, je suis parti dans des concerts, j'ai fait une tournée. Voilà. Pas chômé quoi. Ouais, j'ai fait mes trucs, tu vois. On va revenir justement à l'album, justement c'est ton actualité actuellement. Le poids des mots. Ouais. Voilà, après, le poids des mots. Après j'ai fait le poids des mots. Et justement dans cet album, qu'on a pu entendre justement là, il y a un instant sur Valley FM, et j'ai écouté plusieurs titres. Et en fait, il y a une cohérence dans cet album. On sent que c'est un album très mature. Tu abordes des sujets comme justement la toxicomanie à travers un titre comme par exemple Reviens parmi nous. Reviens parmi nous. Laisse tomber les ambiances glauques, les têtes bizarres, les lieux mystiques où ça sniffe de la coke. Reviens parmi nous. Hey, tu as laissé un vide, tu seras toujours bienvenu chez moi sans invite. Reviens parmi nous. T'étais mon bête de pote. Même si j'ai pris des rides, ça sera toujours comme à l'époque. Reviens parmi nous. Reviens parmi nous. Ouais, dans ce thème là, il y a. Enfin, ouais, dans ce projet là, j'ai essayé d'aborder plein de thèmes, tu vois. J'ai essayé de justement. Mais pourquoi t'as pas choisi justement la facilité, par exemple, comme on peut voir d'autres rappeurs justement. Est-ce que toi, justement, ça t'intéresse ce genre de rap? Par exemple, la facilité de pouvoir passer dans les gros médias. Moi, je calcule pas comme ça quand je suis en train d'écrire, tu vois. Je me dis, faut que moi-même je sois satisfait de moi, tu vois. Je me dis quand même, faut que quand j'écrive un truc, quand même, je sois quand même. Ce soit un truc que je kiffe, quoi. Je vais pas le faire pour faire plaisir à des gens, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pas. Tu sais, vas-y, ma démarche, elle est pas faussée, hypocrite à ce point, tu vois ce que je veux dire. Quand j'écris, vas-y, tant que moi j'aime bien. Et j'essaie de me tirer moi-même vers le haut. Je me dis, ouais, vas-y, il faut que tu fasses des. Enfin, il n'y a pas de calcul marketing. Non, le marketing, ça vient après. C'est une fois que j'ai fait mes morceaux que je me dis, ouais, tiens, je vais. Par exemple, une fois que j'ai écrit On s'habitue à tout, je me suis dit, ouais, je vais faire le clip de ce morceau-là. Je vais après balancer un autre morceau, faire ceci, cela. Voilà, t'as vu ça. Je l'ai fait après, tu vois. Et justement, comment s'est fait le choix des invités sur cet album? Justement, on a pu voir, il y a Mister You, il y a. En fait. Tous ces invités-là, je les ai fait. En fait, c'est des rencontres qui sont faites successivement. Exactement, justement. Pendant que je faisais ça, tu vois. Pendant que je faisais ça, je suis parti à 7, j'ai fait un atelier d'écriture. J'étais avec Demi-Portion, vas-y, on a fait un morceau, j'ai kiffé le morceau, je l'ai mis. Tu vois. Moi, j'ai pas forcément pris des featuring et je leur ai dit, ouais, ça, eux, je vais les inviter dans mon album, tu vois. J'ai plus fait des morceaux et je me suis dit, ah, ce morceau-là, je vais le prendre dans le poids des mots parce que ça colle bien à l'univers du truc, tu vois. Justement, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de mélodies dans cet album. Et est-ce que, comment t'as choisi justement et qui a composé justement dans cet album comme beatmaker, par exemple? Ben, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est 4-5, tu vois. Dans le choix des instrus. En grande partie, c'est moi qui a choisi les instrus, tu vois, de mon album. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé, qui m'ont aidé. Que ce soit Soul Children, que ce soit Willy Barge, que ce soit même Yoni, des fois, et, voilà, ils m'ont donné des points de vue qui m'ont aidé. Tu vois, qui m'ont quand même aidé dans mon choix, tu vois. C'est pas, ouais, parce que des fois, on a tellement la tête dans son travail qu'on a du mal à avoir un peu de recul, tu vois. C'est pour ça que c'est bien d'avoir. Un petit avis extérieur, justement, qui puisse. Pas non plus 50 millions de personnes, mais des têtes que tu connais, qui ont quand même une oreille. Un avis objectif, quoi. Voilà. Et donc ça m'a permis un peu de me retirer de mon projet, tu vois, et de justement peaufiner mes trucs et de faire confiance et de tester des choses que j'avais peut-être pas l'habitude de faire, tu vois. Et justement, c'est vrai qu'il y a des bons retours justement sur cet album. On peut voir sur internet, même parfois des sites qui sont pas rap, qui parlent justement de ton album. Et qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que ça te fait plaisir, justement? C'est normal, tu vois, en vrai, je vais pas dire non. Ah. Ouais, franchement, ça me fait kiffer. Voilà, t'as vu, t'es là, tu te dis, ben merci, la formule. Tu sais, moi, quand je vois ça, je me dis,
c'est bien, mais je pense tout le temps à la suite, tu vois. Donc je me dis quoi, je me dis, si la recette que j'ai fait pendant ces dernières années, elle est bonne, ben il faut la continuer, tu vois. Ça, on change pas une équipe qui gagne, tu vois. Parce que moi, je t'ai dit, je l'ai fait ce projet-là, mais il y avait trop de monde derrière moi qui m'apportait leur aide, tu vois. C'est important, c'est vrai que tous mes textes, et moi je les ai écrits, tout ça, ça vient de moi, mais bon, il y a quand même, c'est pas que écrire des textes. Le rap, c'est bien plus que ça, c'est choisir des instrus, faire. Il y a aussi une image à se donner, tu vois. Moi, j'avais un passif avec la Secret Connection, je pouvais pas arriver. En fait, il y a une certaine éthique à respecter, justement. Ouais, c'est aussi un. Par rapport au parcours artistique, justement, que t'as eu. Bah ouais, je me disais, attends, je vais pas me. D'une, c'est pas un truc que je kiffe, et de deux. Faut pas que je fasse mes 15 années de musique quand même, tu vois. Si. Faut que je fasse un truc qui me ressemble. Est-ce que t'as écouté justement les albums de rap qui sont sortis cette année et... Franchement, est-ce qu'il y en a un au moins qui t'a plu, par exemple, des albums de rap qui sont sortis cette année? Ou t'as pas écouté du tout? Franchement, j'ai pas écouté des albums entiers, tu vois. Mais il y en a, franchement, il y en a. Là, j'ai pas des. Il y a Missa, tu vois, il y a Missa, j'ai écouté son album. C'est une pas lui, si. Voilà, moi, t'as vu, j'écoute du Nubi, t'as vu, j'ai écouté. J'ai écouté quoi, Demi-Portion, parce que voilà, c'est aussi mon pote. Tu vois, y a... Non, mais j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qui m'intéressent dans le rap. Tu vois, je suis quand même un mec qui écoute, tu vois. Donc, qu'est-ce que vous pourriez te souhaiter justement pour cet album et... Est-ce qu'il y a une question, moi, justement, à laquelle j'aurais pas pensé à te poser? Et toi, si c'est un sujet sur lequel tu aurais voulu t'exprimer, ben, c'est le moment, quoi. Bah non, tu sais, à part que, voilà, t'as vu, c'est important de parler de. D'un peu de l'actualité, tu vois, d'aujourd'hui. Tu vois que moi, tu vois, je suis d'origine tunisienne, je me sens concerné quand même par ce qui se passe Tu vois, un peu les événements passés, justement. Exactement, tu vois, là, ce qui se passe un peu en Égypte, tu vois. Maintenant, si j'ai un petit regret, tu vois, dans cet album, je me dis, voilà, j'ai pas forcément de morceaux qui parlent un peu de ma communauté. Comme quoi, tu disais tout à l'heure, c'est pas calculé, justement. Donc t'as... Voilà, tu vois, voilà. Moi je fais pas forcément des calculs, je vais pas surfer forcément sur les vagues. Sur la vague et faire un titre justement juste pour... Voilà. Mais aussi, c'est faut pas oublier que c'est un truc qui leur appartient en vrai. Tu vois, nous on est des... Moi je suis tunisien mais je vis en France, tu vois. Moi ici on a la liberté d'expression, la Facebook, la corruption, bon... Ben Ali et Sarko c'est la même équipe, hein. Bref. Mais sinon, voilà, tu vois, ouais, c'est important de parler de ça. Et toi-même, tu aurais pu m'en parler. Peut-être que tu sais pas que j'étais tunisien. Si, je savais, mais vous en avez parlé tout à l'heure en radio, c'était enregistré, donc il y aura des petits passages, justement. D'accord. Donc voilà, pourquoi je t'ai pas posé, justement, je t'ai pas posé la question. Non, mais c'est important, tu vois, parce que voilà, faut les soutenir, faut soutenir les frères égyptiens. Moi, personnellement, je suis contre les gens, tu vois, ils sont là, ils ferment leur bouche, ils font rien, ils glandent, ils foutent, tu vois, t'as pas d'avis, t'as rien, tu sers à rien, quoi. T'as un mouton, donc... Ouais, justement, il y a, on peut dire aussi qu'il y a un peu ce genre de censure aussi en France, puisque on voit certains rappeurs, par exemple. Non, mais il y a de la censure, mais quand tout le monde s'y met, t'as vu, vous avez bien vu, quand tout le monde s'y met, ça y est, c'est vrai. Ils peuvent rien faire. Même la police, l'armée, elle peut rien faire, donc faut s'y mettre. C'est pour ça un morceau comme On s'habitue à tout, tu vois, je l'ai fait pour dire. Un peu, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit, bon, cette fois, c'est la dernière, et finalement, on prend les mêmes, on recommence à chaque fois, c'est ça. On se relève après une gamelle, tu vois, normal. C'est vrai que ça fait rien, c'est pas grave, c'est, tu vois, on s'habitue à tout. C'est vrai que c'est un morceau qui explique tout et je pense que ça restera comme un bon classique dans le rap français parce que c'est vraiment... Vu que ça, d'ici un ou deux ans, ou même trois, qu'on le réécoute encore, tu vois, aujourd'hui, les mecs, ils écoutent des albums, au bout de six mois, ça va à la poubelle, tu vois. Donc il faut essayer aussi peut-être d'avoir des thèmes qui essaient de durer dans le temps, tu vois. Qui sont intemporels, quoi. Bah, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir sur Underwood et on reviendra justement te voir selon l'évolution de tes projets et merci à toi. Merci Underwood.